Voilà, et là on est de retour. On est de retour pour faire justement cette mission. Allons-y. On commence, on y va, on va chercher un scientifique, des ressources, tout ça, on va se mettre bien. Signal de détresse dans ce secteur. Oui. La résistance a confirmé qu'il s'agissait d'un de leurs codes. Nous allons donc procéder à une extraction d'urgence. D'accord, ben extractons. Nous devons sécuriser la zone et escorter le VIP au point d'évacuation. C'est très drôle, le rose là et là. Hein ? Tu vas voir ta sœur, t'es contente ? Allez, allons-y. Coco, j'espère que t'es content. J'espère que t'es ravi. Voilà. Sinon, dommage. Entre la canette d'orangina et le préservatif, je le sens mal. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, on y va. Petit chargement de texture retardé, hein. Tout est limité dans le temps, c'était pas le cas dans XCOM 1, casse les couilles, j'aime pas être forcé là. Sachant que j'ai dit, je ne fais plus de sauvegarde, donc ça veut dire que si je meurs, eh ben je meurs. Hein, vous voyez l'idée? Donc voilà quoi. Ah oui, il faut les... en fait je l'ai déjà le scientifique, faut... j'ai juste à me tirer. Alors, protocole de soutien, ordonnez à votre gremlin de se déplacer vers une cible alliée, lui convert un bonus de défense. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour le moment, il faut qu'on bouge. Alors, on va bouger où? Putain, faut qu'on aille méga loin. Bon, faut qu'on aille méga loin, on a 12 tours, ça va être un peu long. Ça va même être méga long. Mais bon, en même temps, faut y aller, quoi, donc... Donc j'ai envie de te dire go. Je vais te dire allons-y. Là pour le moment il faut qu'on court. Hein. J'y cours. Ouais cours. Alors du coup, tu vois personne? Non, il voit personne. Ok, je vais en emmener un là ici. Tout de suite. Allez, on se déploie messieurs. Go, go, go. Maître Gim, c'est une voix un peu trop gentille. Tu mets une voix un peu... Peu vénère. Allez, on se déploie. Pour Ranger Rose. Voilà. Et la petite bouteille d'orangina. Qu'on va mettre du coup... On va mettre sur le toit. Ouais, on sait jamais. On sait jamais. Lui, on le met en sécurité, quoi. Et c'est là qu'il y a 3 mobs sur le toit, tu sais. Tiens, Matt Brain, tu vas rester avec le mec, là. Reçu. Allez, go. 5 sur 5. Run, baby. Tu fais pas les LCS? Eh bien, écoute, je fais les LCS le samedi et le dimanche. Mais absolument pas sur le... Absolument pas les EU. Donc, le jeudi, vendredi, c'est repos, quoi. Alors... je vais me cacher derrière cette caisse. On va voir s'il y a du monde. C'est parti. Alors du coup on les a vus. Et ils nous ont vus aussi. Merde, on est baisé là. Là on est pas bien. Là on est pas bien. Va falloir aller l'aider et vite. Ah, je vais peut-être le contourner, tiens justement. Peut-être le contourner. Ils sont là. Il y a moyen de les niquer. Alors. Ah du coup on est plus caché du tout. Ah mais on n'était pas caché à la base. Ok, ça règle le problème. Attends, ça va me faire sauter par-dessus la vitre, là. J'ai pas envie de casser la vitre du tout, moi. Ah, c'est chiant, ça. Ok. On va bouger tranquille. On a fait le tour, maître. Toi, du coup, il va falloir que tu viennes en renfort, là, parce que sinon... Sinon ça va pas le faire. Pour le moment ils sont pas en vigilance. Donc on peut se mettre là. Ouais vas-y run baby. Par contre c'est lui qui a le heal. J'aurais peut-être pas dû le mettre autant en avant. Bon attends. Bon toi machin, tu vas te. Bah tu vas te mettre ici pour le moment. Non, tu vas te mettre là. Hop. Bon, ça, le. Il a pas peur le médecin. Hein. Non il a pas peur.
Il a pas peur du tout. Il a encore une action? Ah oui, d'accord. Et je peux le faire bouger beaucoup plus. Je vais le laisser là pour le moment. On va se calmer. Quant à toi, bah tu vas te mettre là, évidemment. J'y vais. Bien évidemment, bien sûr. Oh là là, il fait des petits jumps là. Il est à l'aise. Il est tout à fait à l'aise. Non, toi, tu te protèges. On sait jamais. Une grenade qui dérive, ce serait malvenu, quoi. C'est pas trop dur de cast les LCSNA? Non, écoute. Moi, ça va. J'aime bien caster, donc ça me pose pas de soucis particuliers. Ah, il fait quoi? Il a pris le contrôle de mon mec, là? Ah, le gros bâtard. Oh, oh non. Putain, genre, il m'a vu, quoi. C'est chiant. Bah, du coup, j'ai plus qu'un point de vie, donc c'est cool. C'est pour hack quoi? Ah ouais, je peux pirater à distance, c'est cool ça. Ça c'est pas mal. 33%, 49%, ouais, bon. Ouais. Du coup, j'ai pas compris ce qu'il a fait lui. Hein. Il a fait un move là. No ID quoi. Ok, évacuer tous les soldats XCOM. Ouais, bah, mais bon. Bon, il est plutôt bien planqué là. On va tenter un shot sur lui déjà. Parce que lui, il va me poser souci. Putain. Il loupe tellement, c'est un truc de ouf. Maître Gim, si tu rates, t'es mort, hein, je te le dis. Non mais mec, on est sérieux sur les taux de raté là? Dernier essai, quoi que je le rate. Quand même. Bon là, ça va. Ennemi éliminé. C'est le plus urgent. Ah, une promotion, il est content. Voilà, bon, toi tu restes là pour le moment. Tu te planques et tu attends. Alors l'autre il va bouger, il va tuer Maître Gims. Ah bah ça c'était sûr. Maître Gims t'es mort. Soit il rate, soit t'es mort. Ah il va le reno... Ah c'est bon, il va le revivre. Du coup il va pas tirer. Ah moi ça m'arrange hein, parce que là il s'est un peu mis à découvert. On va peut-être pouvoir le défoncer quoi. On va peut-être. J'ai pas dit. C'est pas dit du tout. Ah la voiture qui explose, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'était pas prévu, mais comme quoi, des fois, j'ai un peu de chance quand même. Voilà, le sectoïde, il faut le défoncer, là. Absolument. Alors, on va augmenter nos chances. On va augmenter nos chances. Tu vas te mettre ici. En route vers la position indiquée. Voilà. Là, le sectoïde, tu le défonces. Nickel. Donc, lui, il est mort. Du coup, le mec qui contrôle est mort. On est très très bon. Là, va que je me soigne. Parce que là, j'ai plus que 9 tours. Donc là, c'est chaud. Elle est où, la rose? Elle est là. Au nom de la rose, mon ami, la femme. Pardon. Du coup, là, il y a des flammes partout. Hein, c'est le Dawa. Avançons. Ok. Maître, tu vas venir là. Je suis sur le coup. Voilà. Comme ça, je le soigne au prochain tour. Bon, bah toi, du coup... Faut trop où je vais te mettre pour le moment. Je sais pas trop où je vais te mettre, mais faut que t'avances, donc... Donc tu vas aller là. Vas-y, run. Non, mais saute. Eh hey, pas mal, le scientifique. C'est pas un glandu. Ça fait plaisir. Allez, Mad Brain, je sens que t'es chaud. D'accord. Run, baby. Nice. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ah. Les flammes vont tout
cramer. Menace 1-5, je vous préviens que des intercepteurs ennemis sont en route vers votre position actuelle. Ça c'est chiant. L'oiseau de feu a une fenêtre d'intervention limitée. On est là ? On y est presque. Hein. On y est grave presque. Ouais. Je sais pas trop, j'ai envie qu'il aille ici. Juste pour avoir la vision en fait. Hop. On a des advents par ici. Oh merde. Bon, au moins on a la vision. Hop, on va la heal. Voilà, medikit. Ah oui, lui il parle allemand. Coco, j'ai décidé de le mettre en allemand, du coup j'ai mis une voix allemande, du coup il parle allemand. C'est marrant. Bon voilà, il est heal, donc il est content. On va enchaîner, on va lui demander de bouger. Ah, idéalement, il faudrait les prendre de revers. On va se mettre là pour moi. Brockhaus. Très bien, Brockhaus. Ça me va parfaitement. Vas-y, bouge là-bas. Run, baby! Bon, bah, toi, pour le moment, tu vas te mettre au frais, quoi. Bon, que tu prennes une balle perdue. Pour le moment, tu vas bien te planquer ici, quoi. Est-ce qu'il peut rentrer dans le bâtiment sans crever? Je sais même pas s'il peut. Sans prendre une grosse douille. Si vous voyez l'idée. Tiens, bah, monte à l'étage, plutôt. Mets-toi là, tranquillou. Il devrait rien t'arriver. Non, mais marche pas dans le feu. Putain. Je vous jure. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Ok, je vais essayer de les contourner, peut-être. Ce que j'aime pas, c'est quand je les éloigne les uns des autres, c'est risqué, quoi. Tu prends potentiellement le risque de te faire niquer. Donc j'aime pas trop ça. Va ici. Allez, run. Bon, normalement, il y a deux mecs ici, mais c'est tout, quoi. Du coup, activité extraterrestre. Ah, il y en a là. Et ils m'ont repéré. C'est chiant. C'est chiant parce que là, du coup, celui que j'ai mis là-bas est très mal placé. Alors lui, il est marqué, donc il va prendre Bagdad. Pas de coup critique, s'il vous plaît. Ok, il va peut-être mourir, lui. Hein. Putain, il va prendre une balle. Dites à mes enfants que... On a un soldat Albert. Chakram a péri. Et alors là, on peut pas le réveiller. Hein. C'est... Je crois pas. Hein. Stabilisation. Empêche un soldat de perdre tout son sang. C'est pas ouf. Hein. Bon, on a un mort déjà, donc c'est un fail. Mais j'ai dit que je refaisais pas, donc je refais pas, c'est pas grave. Je l'ai trop avancé, c'est ma faute. Je l'ai trop avancé. Bon, du coup, c'est un peu traumatisant pour lui. Mais tu feras avec. Alors, Mad Brain, c'est chiant, parce que du coup, j'ai les mecs qui sont là. Je m'avance trop, putain, je vais trop vite. Le chrono ici me stresse en fait, du coup j'avance vite alors que en fait ça va, j'ai le temps. C'est chiant. Puis alors là, ils sont bien planqués les gros bâtards. Ah, c'est pas pratique du tout ça. Alors, montons à l'étage. Oui, bah je titille si tu veux, mais bon, dépêche-toi, quoi. Bon, là, j'ai le problème Mad Brain, quoi. Il est très mal placé. Les autres, ça va, mais Mad Brain, c'est terrible. Je vais me mettre là, je pense. Hein. Je bouge. Bah, planque-toi un peu. On n'est pas trop mal. Toi, tu vas essayer de tirer, hein, du coup, sur ce que tu peux. Allez, vas-y. Voilà, la bonne basto, ça fait plaisir. Bon, il est loin de mourir, mais au moins, il a pris quelques balles. Quoi.
Bah toi tu peux pas faire grand chose, tu sers à rien, hein, c'est con. Du coup je vais te faire monter encore. Voilà. Donc tu vas aller genre ici. Je veux pas que tu sois trop près de l'autre soldat, tu vois, en cas de grenade. Je préfère faire gaffe. Voilà. Non, bah voilà, juste tu vas attendre. Mais c'est tout. Mad Brain, tu peux tirer, donc tu vas tirer. Oh ouais, tiens, tue lui, ça serait bien, ça. Je peux tirer sur lui et sur lui. Ouais, 26, c'est de la merde. Vas-y. Très bien, ça, voilà, un premier mort. Bon, le sectoïde va le faire revivre, mais on peut pas tout avoir. Faut qu'on regarde ça de plus près. Ouais, bah toi, bouge d'une case, pas plaisir. Allez, go. Alors, les extraterrestres, ils font quoi? Ah, c'est chiant, ça. Ah oui, tu tires sur la meuf, là-bas. Ah oui, bon, t'aurais... Il y avait plus simple, hein. Alors là, lui, il va me faire chier, pas. Ah non. Oh non. Ah, il me fait paniquer. D'accord. Donc, il panique. Après, c'est ce que j'allais dire. L'avantage quand ils paniquent, c'est que souvent ils font des kills, quoi. Souvent ils déconnent zéro, ils butent des mecs. Donc c'est cool. Calme-toi. Calme-toi. Prochain tour, il sera moins paniqué. Ok. On va s'avancer le plus qu'on peut. Défonce-le. Nice. 5 dégâts, c'est beau. C'est vraiment pas mal. Je m'en sors bien. Bon, c'est dommage, j'ai perdu un mec, mais sinon je m'en sors bien. Genre, viens ici, toi. Hop. Bon, ah, il y a toujours lui qui me saoule, c'est vrai. J'ai oublié ce petit détail. Allez, tue-le! Alors, 3 km à côté. Hein. J'ai raté la cible. Je tire mes dernières munitions. Eh ben non, bah tu vas rester en position défensive, toi. Bon, ils ont 3 points de vie chacun, mais je sens qu'ils vont me saouler. Raté. Ah, par contre, il a pété ma couverture, ce fils. Ils déplacent leur attaque. Ok. Le mec a bougé de 2 mm. Ok, il fait une attaque psychique sur... Ah, il va faire revivre un mort. Lequel? Oh, il fait revivre moi, ce fils de... Bon, faut que je le tue vite. D'autres mecs? Oh là là. J'aime pas ça. 32%, c'est chaud. Ok, on va d'abord aller contrôler la meuf, essayer de tuer le sectoïde. Il y a des chances. Nice, il est mort. Bon, du coup, Chakram, tu t'allonges au sol. Oui, le jeu c'est XCOM 2, hein, évidemment. Ok, voilà, elle, promotion, il est content. Voilà. Alors, Ribar. Fais en sorte que tu l'encules à sec. Je vais aller là. Comme ça, je vais le tuer. Bien compris. Si, si, je suis confiant. Voilà, je ramasse le truc. Nickel. Et en plus, je vais le tuer. J'ai trouvé un truc. Tue-le. Voilà. C'est le bon choix. C'est le bon choix. Promotion. Voilà, Maître Gims, il est promu, il est content. Et maintenant, il faut se tirer, les amis. Il faut se tirer. Et donc, quand je dis qu'il faut se tirer, on se tire. Allez, run. Putain, le mec, il fait des jumps. C'est un génie scientifique, quoi. Mad Brain. Tu vas vite te tirer. Allez, allez, allez. Allez, fonce. Go, baby.
Ok. Y'a quoi? Y'a des mecs où? Y'a des mecs nulle part là. Lui c'est pas un mec. Donc tout va bien. Bah on va mettre les 4 ici. Hein. Allez go go. Run. Voilà. On enchaîne. Toi meuf c'est pareil, tu viens là. Nice. Putain, c'est vraiment un god hein. C'est vraiment un god. Putain, j'ai perdu un soldat, j'ai perdu Bab en plus, je suis déçu. Genre c'était celui qui a le plus de valeur. Dommage. Dommage, j'ai voulu faire le fou. Bah tiens, hop. Voilà, comme ça avec un peu de chance la mission se termine. Et on aurait été des gods. Oui d'accord, lui il monte comme ça. Pourquoi pas, hein, c'est un scientifique de génie, j'ai envie de dire. Et bah voilà, évacuation. VIP récupéré et prêt pour l'extraction. Parfait ça. Allez, casse-toi. Maintenant, faut évacuer les soldats, quoi. Je fonce. Je pense qu'il y a d'autres extraterrestres qui pourraient nous faire chier, mais là, ça se passe bien. Je suis plus là. Allez, go, la corde. Là, on enchaîne. Menace 1-5, des intercepteurs ennemis approchent à grande vitesse. Votre fenêtre d'extraction se referme. Ah, oh, genre, on perd du temps, nice. C'est bien joué, ça. Pingdon, Malvec. Ok, c'est juste pour dire qu'on se casse avant qu'ils arrivent, quoi. Bon, finalement, voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Il est mort, mais il est mort pour la bonne cause, quoi. Pas besoin de demander deux fois. Allez, va-t'en. Va-t'en, t'es beau. Fin de la mission. Bon, bah voilà, c'est pas mal. Bon, c'est dommage, j'ai eu un mort, C'est dommage. Peut mieux faire, Genre, je me suis avancé un peu vite en territoire inconnu. Voilà, j'ai fait le malin, ça s'est mal passé. Tant pis. J'ai pas eu de chance, ils ont pas raté leur coup. S'il y en avait un qui avait raté, je pense que j'aurais pu survivre. Dommage. Bon, en tout cas, mission terminée. Hein, voilà, l'opération Caïs Bouillonnant est un succès. Ça fait tout à fait plaisir. En plus, on a des mecs qui sont promus, je crois qu'ils sont tous promus. Je crois, ils ont dû tous tuer au moins un mec. Donc ça fait plaisir. Voilà. Je suis fou, mais en vie. Bah là, t'es plus fou, hein. Tu t'es calmé normalement. Je pense que t'es plus paniqué. Donc finalement, c'est pas trop mal. Donc voilà, ça va nous donner un scientifique, des ressources. Bon, on a perdu un soldat. Malheureusement, hein. Il savait dans le quoi il s'engageait. Allez, on se pose. Le vaisseau est dégueulasse. Ça donne pas envie. Ouais. Voilà, Chakram qui a été tué pour la patrie. Hein. Deuxième vidéo. Il est déjà mort. Allez, on enchaîne. On va promouvoir Mad Brain qui est devenu tireur d'élite. Ça déconne zéro, il a la vision commune. Ok, ensuite, on a Ribar qui a pris une balle. Mais qui va bien. Il va bien. Blessure grave. Ah ouais, 30 jours. Hein. Ouais, d'accord. Bon, bah, on va faire avec. Protocole de soutien. Ah, c'est un spécialiste, hein, voilà. Donc, il a un drone. Voilà, c'est devenu un mec qui a un drone, quoi. Pourquoi pas. Et puis ensuite, eh bien, on a Rémilia, hein, qui est devenu... Oh, bah, lance-grenade, voilà, c'est parfait. La meuf est rose et elle a un lance-grenade. Je trouve ça très, très bon. C'est extrêmement bien. Viseur laser, d'accord, on peut améliorer pas mal de choses. C'est les objets que j'ai récupérés. Hein. Viseur laser et du SPC, hein, voilà, qui donne de la volonté. Le soldat affecté augmente ses chances de résister à la panique. C'est très bon. C'est très très bon. Et on a récupéré un VIP, hein, qui est un scientifique de type j'ai une brosse, quoi. Voilà, je veux dire, tu peux avoir une brosse comme tu veux, il n'y a pas de souci. Travail exemplaire. Parfait. Ah. Cette action enhardira probablement la résistance partout sur la planète. Veuillez accepter cette allocation de ressources pour faire progresser votre cause. Merci Jean-Jean. Bon, Gims Ribar, sa volonté était un peu réduite. Merci de m'avoir envoyé du personnel pour m'assister, commandant. Soyez certain que j'en ferai bon usage. Ouais, t'inquiète, ça devrait bien se passer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, il faut construire le terrain d'essai, c'est en cours. Contacter la résistance, bah, il faut que j'attende de construire le truc. C'est tout ce qu'on a.
Et je sais que les extraterrestres n'apprécient pas de perdre l'un des leurs. Ils étaient loin de se douter qu'on pourrait le faire redécoller. Je suis ravi de leur prouver qu'ils avaient tort. Ok. Et donc voilà, on a volé un vaisseau extraterrestre pour s'en servir de base. Donc c'est quand même, je veux dire, on est classe. On est très très classe. Voilà. On est extrêmement stylé, j'ai envie de dire. Quelle heure est-il ? Il est 22h. On va peut-être en refaire une petite dernière. Alors, bâtiment intact. Commandant, suite à votre récent succès, plusieurs membres de la résistance ont signé des activités. D'accord ? Temps d'enquête, 6 jours. Calcul du nouveau cap du Talion. Moyen-Orient. Alors, allons-y. Et donc là, on peut checker. Donc, on va le faire. On va checker direct. Tac. Un. Voilà. Alors là, du coup, on a terminé un projet de recherche. Donc, on va signer une nouvelle recherche, du coup. Centre de communication. Le centre de communication augmente le nombre de régions pouvant être contactées. D'autres contacts peuvent être établis en y assignant un ingénieur une fois la construction terminée, évidemment. Donc là, on peut faire tout ça, hein. Matériaux hybrides, pose. Comment ça pose ? Les cadavres d'Amen nous ont récupérés jusque-là sont protégés par un fascinant mélange de matériaux, certains plus connus que d'autres. En les étudiant, nos recherches pourraient mener à des améliorations considérables de notre équipement. Je n'en ai jamais vu personnellement, mais de nombreux observateurs attestent de l'existence d'un sectoïde plus petit et moins intimidant déployé pendant l'invasion. Depuis cette époque, cette nouvelle variante, obtenue par manipulation génétique, est bien connue de nos soldats sur le terrain. C'est dégueulasse. Alors du coup, ah t'as 3 jours pour découvrir des trucs, bah vas-y, découvre. Éclate-toi bien, mon ami. En ingénierie, qu'est-ce qui se passe ? On se touche ? J'ai eu du mal à trouver de la place pour mener à bien nos expériences les plus théoriques. Ok, bon, allez sur le terrain d'essai. Prochain atterrissage, peut-être. De nouveaux ordres, commandant ? Côté armurerie, je pense qu'on est bon, hein. La liste des soldats, bon, malheureusement, on a un soldat qui nous a quittés. Heureusement que, voilà, Gims Ribar était là pour le remplacer, hein. C'est triste, mais ce sont des choses qui arrivent, malheureusement, hein. Voilà, malheureusement. C'est terrible. Et en commandement, j'ai rien de spécial. Bon, très bien. On va pouvoir retourner aux recherches. Enfin, plutôt là. Voilà. Taigan nous informe que le nouveau centre de communication est opérationnel. Nous n'avons plus qu'à faire passer le mot. Les systèmes de communication sont en ligne. Nous pouvons maintenant entrer en contact avec les régions Afrique du Sud. Afrique de l'Ouest. Une fois la liaison établie, nos ressources en renseignement permettront de nouer un contact avec les résistants de cette région. Non seulement ils nous feront entrer sur le site secret, mais nous aurons aussi accès à plus de ressources. Nice. Alors donc plusieurs sources, bah c'est tout bon. Donc ça, on peut les contacter maintenant. Ou on peut continuer à scanner. Hein, on va dire qu'on n'est pas pressé. Ah, mais je suis obligé en fait. Après avoir payé le coût en renseignement pour établir le contact, il faudra scanner la région quelques jours avant que la résistance locale se manifeste. Quand ce sera fait, nous serons opérationnels dans cette nouvelle région. Ah. J'ai pas envie. Site de scan. Mais j'ai pas le droit en fait. Genre il m'oblige. Ah non. J'éternue. Je vais finir quand même. Voilà, et en plus, voilà, j'ai récompense. Quoi récompense ? La plupart des bâtiments de ce secteur sont toujours intacts. Nous avons donc envoyé un signal dans une large zone dans l'espoir de retrouver des survivants. Petit groupe est sorti d'un ancien entrepôt et a signalé qu'il souhaitait rejoindre la résistance. Je comprends pas. Nous mettons le cap sur le secteur d'Afrique de l'Est. Mais je l'avais déjà, ce soldat. Ah, ça les a soignés. Ah, ils sont soignés, du coup ils peuvent direct se fight. C'est ça l'idée. Si c'est ça, c'est cool. Si c'est ça, c'est cool. Du coup, on peut aller les contacter. Go. Nice. Du coup, on va là et on va commencer à rentrer en contact avec eux. Commandant, grâce à nos informations, d'accord, nous avons localisé des résistants opérant dans cette région. Mais il nous faudra du temps pour repérer leur position exacte.
Ok. Donc là, il faut qu'on lance un scan de 3 jours. Ok. On va lancer le scan, mais avant ça, on se fait une petite page de pause, les amis. Je reviens dans quelques instants. Reste avec moi, je vous fais des bisous, je vous aime, machin, tout ça. Vous avez l'habitude, abonnez-vous, likez la vidéo. Voilà, on continue XCOM dans quelques instants. A tout de suite.